the basis of my work is that first we start with an industrial line and then we go back to the craftsmanship table. So we have this goldsmith work in each piece that was produced in a production line, in an industrial line. So we have both of these worlds meeting. So first we start with the craft, then we go to the industrial, and then we go back to the craft. So in the end, every piece is really unique. Each has this mark of the man that cannot be replicated. Le grand thème, c'était censé beaucoup parler sur la model design. Je pense que j'ai beaucoup parlé de mon parcours. Pourquoi? Parce que j'avais vraiment envie déjà de me différencier par rapport aux autres personnes qui ont parlé aujourd'hui. Et j'avais vraiment envie de créer une projection à travers mon travail parce que c'est important pour moi qu'un maximum de personnes qui étaient dans la salle puissent, à travers mon expérience, se sentir grandi et comprendre que la création d'un projet, ça commence à partir d'un tout petit, une toute petite chose et que la persévérance la fait devenir toujours beaucoup plus grosse. Bon, moi, ce qui m'a le plus marqué dans la conférence, c'est le nounours. Parce que c'est hors du commun de voir un élément qui pourrait plaire à tout le monde. Même, on va dire, on ne grandit pas toujours à l'âge qu'on voudrait être, on n'est pas toujours mature. Donc, même de voir qu'une designer arrive à produire quelque chose qui pourrait plaire aux grands et aux petits, c'est déjà quelque chose de formidable. C'est plus mon coup de cœur d'aujourd'hui.